Ouais, c'était bien. Elle marchait 13-4, elle a amélioré son record. On avait fait une super course. Auparavant, elle avait fait deux courses de rentrée. Pourquoi avait-elle fait un break à la fin de l'été? Bah, elle était plutôt moins bien, donc on l'avait soignée, puis on avait essayé un peu de la garder pour le meeting d'hiver. Donc voilà, pour les courses de femelles, on n'est pas passé loin dans la première. Ici, on évolue sur la grande piste. Est-ce que pour elle, c'est un problème? Non, bah, elle a déjà gagné sur la grande piste, hein, dans le prix Jean Gabin, en battant des bons faux comme Séguinel Mabon et Saphir de Fille. Maintenant, c'est sûr qu'à 8 ans, en affrontant des 6 ans et des juments étrangères, elle a un petit peu moins de marge. Je suppose que si vous avez appelé Jean-Michel Bazir, c'est pas pour faire de la figuration? Bah non, en plus c'est lui qui s'en sert mieux que personne, donc on a pu le revoir, c'est très bien, en espérant qu'elle répète sa performance. Très ambitieux? Bah ouais, maintenant faut pas oublier qu'elle affronte des juments qui ont un âge inférieur, qui ont autant de gains qu'elle, donc qui sont peut-être supérieurs, mais Jean-Michel va essayer de pallier à ça, et puis bah Regina c'est quand même une jument de qualité, donc...